c'est qui est à côté de moi là? Bien sûr. Vas-y, c'est qui? Au revoir. Ah, ça c'est le monsieur qui a fait. Ah, tu sais qui c'est? Amar Gouchkoun. Ah, Nasser. Comment vas-tu? Ça va. Bekher, c'est à la baisse. Bon, ouvre lui son micro, c'est parce que tu sais pas qui c'est que tu vas pas lui ouvrir son micro, ça va. Ah, il dit comme ça, il sait pas, il ouvre pas le micro. C'est vrai. Qui ouvre ça, c'est Amar Gouchkoun. Non, je sais qui c'est, attends. Et Khoué, on a la chouba, on a la technique, on a la saut, on a la soura, on a la chouba, on a la le premier Marocain à gravir l'Everest. L'Everest, attention, c'est ça. Dis-toi, tiens, j'ai quelque chose. Ce que tu vas faire là bientôt, vas-y, dis-lui. Voilà, là, j'ai un challenge qui est de gravir le plus haut sommet de chaque continent. Hein? Inch'Allah, en novembre, je vais aller sur l'Antarctique, donc le pôle sud. Ça va, Nasser? Alhamdoulilah, très bien. Mais merci beaucoup, Momo. Je voulais te remercier. J'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais je sais que vous m'avez suivi quand j'étais là-bas. Et Kintiotubationi et tout ça. Donc, c'est gentil parce que beaucoup de gens m'ont suivi à travers vous. Mais c'est normal. C'est normal. Et en plus, il s'est passé un truc incroyable avec toi. C'est ça ce qui était énorme. C'est celle qui est devenue ta femme? Oui. C'est ça? Oui, oui. Tu peux. Viens, viens. Tu peux. Je crois que je vais pas lui laisser beaucoup le choix. Installe-toi. Et alors, ce qui s'est passé, c'était arrivé en direct, c'est ça? On s'était eu au téléphone, Yak, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce qu'il t'avait fait la classe mondiale parmi les meilleurs demandes de mariage de la planète. Je me suis fait beaucoup d'ennemis après ça. C'est vrai. Audrey Régaliot Latina là-bas. T'as l'Everest ou. C'était quoi? C'était un message. Veux-tu m'épouser? C'est incroyable. Et tu as accepté? Il fallait pas, non, je rigole. C'est le mec qui monte jusqu'au Brest et il fait la demande, après tu dis non. Et on t'avait eu au téléphone. Oui, exactement. J'avais répondu en fait à sa demande. En direct. En direct sur le. C'est moment. Cool, ça se passe bien. Super. Ça va? Ça va. Alhamdoulilah. T'as pas regretté, puis j'étais à l'Everest, ou t'as dit que t'étais à la ou t'as dit que t'étais à la ou t'as dit que t'étais à la température ou d'Akshi ou. Non, ça va. Là, que du bonheur, alhamdoulilah. Ah, là, ça se voit que vous êtes un super couple et ça, on aime bien. Ça, c'est moi, j'adore les super couples. J'adore. Bon, donc là, tu vas te lancer un défi bientôt. Voilà, cinq alors. Continents. Exactement. 7, parce qu'en fait, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, c'est deux continents différents. Okay. Uh-huh. Ça, j'ai déjà fait McKinley, c'est le plus haut sommet, l'Alaska, l'Amérique du Nord. J'ai fait l'Aconcagua, c'est le plus haut sommet d'Amérique du Sud. Ouais. Et Inch'Allah, cet été, je vais aller au Kilimandjaro parce que je vais repartir. Je l'avais fait pour une association caritative le mois dernier, mais quand j'avais un jeune, j'avais emmené avec moi un jeune d'une association en Ujum, mais il a eu un petit problème, donc on a dû redescendre. Ouais. Donc je vais repartir en Inch'Allah l'été, et puis en novembre, donc l'Antarctique, pôle sud, c'est la région c'est la région où les conditions sont les plus dures dans le monde. Et, le record de chaleur à l'Antarctique, c'est moins 12 degrés. Donc Zama de la nuit détend le rue. Donc Red pour vous. Mais quand il fait moins 12 degrés, les mecs ils disent, oh, allez, il fait chaud aujourd'hui, ça va ça dans ça. Exactement. Okay. Moins 12 degrés, tu vidéo l'écran total. Donc sans bronzer, qu'il a moins 12 degrés le moment. Là, il y a eu le record de froid, moins 90 degrés, moins 93 exactement. Donc c'est dans l'autre sens. مالك الحاس اخويا يا اخي تيقولي الوليد تيقولي مالك تيقولي مدابز مع شكون مدابز مع شكون اصاحبي c'est top. Non mais j'aime bien ça et je vois que bon ça donne envie, ça encourage d'autres jeunes à le faire. Là il y a très bien. En ce moment je voulais faire juste un petit salut et l'encourager Bouchra Baybanou qui est une autre alpiniste. Donc il y a d'autres alpinistes, ça les a encouragés. Elle est en ce moment sur le McKinley avec l'Alaska. Donc ça va la première femme marocaine sur le McKinley, où il y a beaucoup de gens dans le surf, dans le Hedda, qui se donnent vraiment à leur passion, et ça c'est ce top. Que j'ai voulu faire, parce que moi je suis pas un alpiniste à la base. Alors, j'avais un métier, j'étais banquier, j'étais dans ma zone de confort, comme on dit. Alors, en plus, là, ce qui est bien, c'est que là tu commences à faire coach en ce moment, c'est que tu fais des conférences, tu fais du coaching, voilà, et tout ça. J'ai réussi, j'ai réalisé mon rêve. Je vis du sport et de ce que j'aime, et je pense qu'aujourd'hui c'est le plus important, vivre de ce qu'on aime, il n'y a pas mieux. C'est bien. Je pense que tu es bien placé pour c'est clair, il n'y a pas mieux, ça c'est clair, on t'applaudit très fort. Tu reviens nous voir pour avant d'aller à l'Antarctique. Inch'Allah, merci beaucoup de m'avoir reçu comme encore ça, avant d'aller comme ça, à traîner chez l'Antarctique, Inch'Allah. Je l'accompagne. La reine de l'Argentine. L'Argentine. Ah ouais. Claude Kindébar, il y a une attente.
Il y a une attente. Qu'est-ce que je vais demander? Tu m'as mis compte, tu m'as. Je veux un gosse. Un gosse, yeah. Inch'Allah, Inch'Allah. Quelque chose qui arrive ou pas? Pas là, pour l'instant. Ah. Bah. Tu Khrushki. Demain, ça, par exemple, c'est quand tu. Quand vous habitez dans un immeuble, c'est ça? Ouais, ouais. C'est ça que quand vous oubliez les clés ou la. Oh, ne bouge pas, chérie, c'est cool. J'arrive. Mais du coup, j'ai plus aucune excuse. C'est-à-dire, le Walid de Bani, dis-moi, tu seras. J'ai dit, oh, l'Everest m'a tlash. J'ai dit, soit. Même si, dis-moi, qu'il y a des choses qui seront. Oh, donc, ça, c'est marrant. Il y a des petites années. Ou sinon, tu connais le beurre de. Je peux pas mettre une veste. Je peux plus mettre une veste. Si je mets une veste, j'ai dit, oh, tu devrais déjà te dire une veste. C'est pas normal. C'est pas normal. Et tu m'as montré une photo juste avant. C'est une photo. J'ai pensé à toi quand j'étais là-bas parce que le plat national n'est pas. C'est les momos, c'est pas des bouchées. Donc tous les restos s'appellent Momo Restaurant. Sérieux? Donc il y a des momos vraiment, ouais. En fait, il a un conglomérat au Népal. Des restaurants où il y a des restaurants où oh ouais. Bon, ben, du coup tous les restos sont Momo et j'avais envoyé, je me rappelle la photo il y a longtemps. On va la partager. Demande Seftalik. Mais c'est bon, c'était un petit truc marrant. C'est le Népal Colony. Boyukuli Mchine Népal. Merci beaucoup, frère. Merci, merci, Nazal. Merci, bon beaucoup. Courage. Et puis longue vie et tout l'amour et le bonheur du monde pour vous, frère. Merci beaucoup, merci beaucoup. T'abonnes à Flash et YouTube. شكرا شكرا وبارطاجي الفيديو الى بغيتي شكرا شكرا تابونا شكرا لكم شكرا